Hi, everyone. Thank you for joining us today for this PEP webinar. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu aujourd'hui sur ce webinaire sur l'inclusion financière focalisée sur les femmes, les politiques pour augmenter la productivité rurale en Afrique subsaharienne. Je comprends que les personnes sont en train de se joindre à la réunion lentement, mais nous allons quand même parler des quelques questions d'ordre logistique pour faciliter l'organisation. En ce qui est de l'interprétation, nous avons l'anglais et le français, l'interprétation simultanée en anglais et français. Pour écouter dans la langue que vous préférez écouter, vous pouvez cliquer l'icône interprétation sur le bas de votre écran. Vous pouvez sélectionner la langue que vous voulez utiliser pour suivre le webinaire. Et il y a aussi des instructions en français dans la boîte à dialogue. Et nous allons aussi communiquer ceci sur Facebook. Nous allons enregistrer les délibérations sur notre canal YouTube et vous pouvez circuler cela dans vos réseaux et à tous les autres collègues. Et nous vous invitons à poser des questions aux panélistes à n'importe quel moment pendant cet événement. Utilisez l'icône questions et réponses en bas de votre écran pour soumettre vos questions. Les panélistes vont répondre à vos questions après les principales présentations. Nous allons partager les questions qui seront auxquels les panélistes vont s'adresser. Et vous pouvez aussi utiliser la boîte à dialogue pour communiquer avec d'autres participants, mais rappelez-vous qu'on est quand même en public et nous vous demandons que vous ayez l'art courtoisie, que vous respectiez le sujet du jour, tout contenu que le sujet d'aujourd'hui et tout contenu qui n'a aucun rapport avec notre événement va être enlevé, bien sûr. Avant de présenter mes collègues ici, une introduction du sujet du jour. Quand vous avez vu, quand vous vous êtes inscrit pour la réunion, il y a un résumé sur la page du site web et je voulais redire ce résumé pour aujourd'hui. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de politiques pour augmenter la productivité rurale en Afrique subsaharienne et c'est là. Ces politiques n'ont pas nécessairement eu l'effet attendu. Malgré des interventions basées sur le genre, ce qui est des subventions et tout ça, il y a eu quand même un écart plus longtemps, plus large. Et puis, il y a une reconnaissance plus grande que les efforts pour appuyer les femmes et pour aider à combler les différences entre les genres et pour pouvoir augmenter la croissance économique. Et il y a la considération de la rétention pour la production, la croissance productive. Le Bénin, le Burkina Faso et le Malawi ont essayé, ont entrepris des études pour voir comment ils peuvent augmenter la participation des femmes dans la productivité rurale. Les membres de ces équipes PEP sont ici avec nous. Ils vont nous parler de la façon dans laquelle les gouvernements d'Afrique subsaharienne peuvent se focaliser sur les politiques pour renforcer ces politiques. C'est donc pour moi un honneur de présenter mes collègues. Tout d'abord, le docteur Rose Fiamohe et les professeurs associés à l'Université d'Abomi Calabi au Bénin. Et son projet favori avait accédé aux finances pour les possibilités d'emploi dans les zones rurales pour les femmes. Une introduction à ces projets, vous allez trouver sur le site web du PEP. Et aussi, c'est aussi un honneur d'avoir avec nous Dieter Van Fintel, le professeur associé à l'Université Stellenbosch en Afrique du Sud. Et son projet avait les conséquences inattendues sur une ferme au Malawi, l'entrepreneuriat des femmes et l'inclusion financière. Et nous avons aussi parmi nous le docteur Yaya Ki, chercheur dans le Centre panafricain de recherche pour le développement économique et social au Burkina Faso.
Et donc, les procédures, disons, je vais poser des questions, adresser des questions aux panélistes et nous allons donc projeter la première question sur l'écran et je vais donc demander à mes collègues de bien vouloir répondre chacun sa réponse. La première question. Comme vous voyez sur l'écran, quelle politique vos pays ont-ils mise en place pour augmenter la productivité rurale et ont-elles réussi? Voilà. Et bien sûr, à l'intérieur de cette question, il y aurait, ils vont parler de, vous allez parler des interventions principales. Quelle a été la population ciblée par ces interventions? Quelles sont les limites de ces interventions? Et donc, je vais donc inviter le docteur Dieter, tout d'abord von Fintel, et après je vais donner la parole aux autres panélistes. Donc, je vais demander à tous les panélistes de bien vouloir se limiter à 5 minutes chacun, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Nous étions une équipe du Malawi et de l'Afrique du Sud et nous avons étudié une ferme qui est en place depuis 2005 et ça a été qui ciblait les foyers pauvres et surtout les foyers qui avaient comme chef les femmes. Ce que nous avons fait, c'est qu'ils donnent les bons pour les engrais, pour subventionner les activités agricoles. Et l'aspect genre qui était important ici, c'est que cela ciblait les femmes chefs de foyers. Et un des résultats principaux, c'est que quand les saisons sont bonnes, c'est quelque chose que nous avons trouvé, les subventions. Améliorer la participation du marché, même si les subventions étaient ciblées les activités agricoles et puis aussi augmenter les revenus des produits. Et nous avons pensé que beaucoup de femmes, beaucoup de fermes et de petites exploitations au Malawi, et les femmes sont vraiment impliquées dans la production et donc dans plusieurs façons des activités économiques dans lesquelles les femmes participent ont été subventionnées par les gouvernements. Et les subventions amènent des revenus au foyer et donc la présupposition devrait être qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup plus d'argent entre les mains des femmes et cela leur a permis d'accéder à de plus de crédits, d'être plus incluse financièrement et leur permettre de diversifier leurs affaires. Et potentiellement, c'est une façon importante de changer la situation au Malawi où la majorité des femmes sont exclues et n'ont pas le capital pour pouvoir investir dans différentes activités. Mais ce dont nous nous sommes rendus compte, ce n'est pas ce à quoi nous nous serions attendus. Nous avons trouvé que les subventions n'ont pas eu ces bénéfices pour les femmes. Ces subventions n'ont pas amélioré la couverture financière, n'ont pas amélioré l'entrepreneuriat des femmes. Et nous avons dû donc essayer d'approfondir la question pour savoir quels étaient les problèmes en profondeur. Et le problème, c'est que les femmes n'ont pas de pouvoir de prise, de décision. Et cela comprend les femmes qui cultivent la terre dans les petites exploitations et les femmes qui investissent beaucoup de leur temps pour exploiter ces produits agricoles qui amènent des revenus pour les foyers. Alors, la clé ou l'idée principale, c'est la dynamique des pouvoirs. Beaucoup de femmes n'ont pas le pouvoir de pouvoir négocier au niveau du foyer. Cela veut dire qu'elles ne sont pas intégrées dans le marché, ne sont pas intégrées dans le système bancaire, dans le système financier. Et donc, cela renforce un cycle vicieux. Ça veut dire que si même les foyers se portent mieux dans l'ensemble, les femmes dans ces foyers ne se portent pas pour autant mieux. Autre facteur sur lequel nous sommes penchés, ce sont les droits fonciers. Et en 2016, le gouvernement du Malawi
a proposé l'ajustement aux lois pour sécuriser les droits fonciers des femmes. Et une des choses que nous avons étudiées, c'est que les droits fonciers devraient renforcer la position des négociés des femmes et que cela donc devrait promouvoir leur capacité de pouvoir utiliser ces subventions pour leur bénéfice et de devenir plus intégrés dans le marché et d'être plus incluse financièrement. Maintenant, on sait qu'il y a des droits financiers, ces droits ne sont pas très renforcés au sein des communautés, surtout en tenant compte des structures traditionnelles de la localité matriarcale et patriarcale. Et donc, les droits financiers ne sont pas nécessairement, ne protègent pas les foyers dans la communauté. Et il y a des communautés qui ne renforcent pas ces droits fonciers. Et donc, les communautés qui ne vont pas appuyer les femmes pour accéder à d'autres formes d'inclusion financière. Et essentiellement, nous avons considéré cela comme un obstacle pour voir comment, pourquoi une subvention agricole qui devait bénéficier aux femmes ne bénéficie pas aux femmes. Nous nous sommes rendus compte que ces subventions agricoles ont empiré la situation des femmes et que ce sont les hommes qui ont gagné beaucoup plus de pouvoir à des négociations. Et cela a été choquant, a été surprenant pour nous. Merci beaucoup. Merci, éditeur. Et cela nous ramène au résumé dont nous avons parlé. J'avais dit que les politiques qui étaient destinées à minimiser la différence entre les hommes et les femmes ont en fait empiré cette différence. Merci beaucoup. Alors, Rose, je vais vous poser la même question à vous, Madame Rose. Thank you very much, Vaka. Merci beaucoup, Vaka. Avant, je vais m'exprimer en français, si vous voulez bien, mesdames, messieurs, les participants, que vous pouvez sélectionner l'anglais. Cette question pertinente. Mais avant de répondre, permettez-moi d'exprimer notre reconnaissance à PEP pour l'opportunité qu'il nous offre pour communiquer autour de nos résultats de recherche que nous avons produits grâce à ces divers appuis. Nous en sommes très reconnaissants. Alors, par rapport à la question, je peux dire que le gouvernement du Bénin, en coopération avec ses partenaires au développement, fait beaucoup d'efforts pour améliorer de façon générale l'accès au crédit, en particulier aux femmes promotrices de micro-entreprises. Dans l'économie rurale, par exemple, parmi les principaux acteurs impliqués dans les activités génératrices de revenus, les femmes représentent près de 65% de cette cible. Alors, cependant, la majorité d'entre elles sont victimes d'exclusion financière. Il s'agit là d'une situation très préoccupante qui rappelle l'existence de marchés financiers incomplets que de nombreux programmes du gouvernement et des institutions financières tentent d'y remédier. Par exemple, en 1977, le Bénin avait créé les caisses locales de crédits agricoles mutuels, CIELCAM, avec comme objectif d'offrir des services d'épargne et de crédit aussi bien aux agriculteurs qu'aux fonctionnaires de l'État et aux entrepreneurs. En 1993, le gouvernement du Bénin avait créé des mécanismes de financement alternatifs au profit des micro-entrepreneurs frappés d'exclusion bancaire. On peut citer par exemple le projet d'appui aux petites et moyennes entreprises PAPME et le projet d'appui au développement des micro-entreprises PADME. Alors, malgré l'engagement de l'État, les IMF ont montré leurs limites face à la nécessité donc d'assurer une offre adaptée à leurs cibles. Parce que dans leur quête de la viabilité financière, et de minimisation des coûts de transaction, les institutions de microfinance ont tendance à préférer une clientèle solvable et des activités à fort potentiel de rentabilité, excluant donc l'agriculture de leur liste de secteurs d'activité bancable. Face à cette situation, l'État avait décidé de jouer un rôle plus actif en participant au refinancement des IMF
à travers la création d'un fonds national de microfinance en 2006 pour répondre donc aux besoins spécifiques des couches de population victimes d'exclusion financière. C'est dans ce contexte donc qu'ont émergé de nouveaux programmes publics de microfinance. Je peux citer par exemple le programme de financement des activités agricoles et rurales, le PHARE, le programme de microcrédit aux plus pauvres, le MCPP. Mais il faut remarquer que les groupes d'exclus visés par ces programmes sont généralement les agriculteurs, les ménages ruraux, les populations victimes de pauvreté extrême, etc. Mais après une décennie de mise en œuvre donc, du programme, le MCPP avait montré aussi ses limites en raison des problèmes de crédit impayés de nombreux bénéficiaires. C'est donc dans ce contexte qu'en 2016, le gouvernement du Bénin a pris de nouvelles mesures pour faire face à ces problèmes d'impayés en tirant bien sûr des leçons des programmes antérieurs. C'est ainsi que sous le couvert des réformes, le Fonds national de la microfinance a expérimenté, continue d'expérimenter, un nouveau produit appelé microcrédit mobile, devenu par la suite le microcrédit à la FIA pour pallier les difficultés des programmes précédents. Ce nouveau programme est un paquet d'innovations contenant, en plus du crédit mobile, de nouveaux produits tels que l'alphabétisation, la microassurance, la formation de la demande et de gestion de crédit. Voilà ce que je peux dire de manière succincte par rapport à votre question. Je vous remercie. Thank you, Rose. Really appreciate this. And very glad to hear that there is some learning. Merci beaucoup, Rose. Vraiment, ça a été un plaisir d'entendre qu'il y a eu beaucoup d'apprentissage dans le processus et qu'un certain nombre des programmes n'ont pas marché, que cela a conduit au fait que le gouvernement a pris des actions pour rectifier la situation. Et maintenant, je vais donc donner la parole à Yaya Ki. Votre réponse à la première question, s'il vous plaît, Monsieur Ki. Oui, merci. Concernant le Burkina Faso, en fait, comme la plupart des pays de la sous-région, le développement socio-économique du Burkina Faso est basé en grande partie. If you're trying to speak, I think there may be some issue because at least I can't hear you on my end. The connection is not so clear. Okay. Can you speak closer to the microphone, please? Est-ce que vous pouvez, vous pouvez parler plus proche du micro, s'il vous plaît, M. Yaya? Oui. D'accord. Vous m'entendez mieux? Oui, je vous entends un peu mieux. Oui, ça va. Merci. OK. Voilà, donc, le développement socio-économique du Burkina Faso est basé en grande partie sur les activités agricoles. Bien que le secteur utilise 80% de la main-d'œuvre active, les défis de la sécurité alimentaire restent une réalité. Dans le milieu rural où l'agriculture est la principale... Docteur Ki, je vous entends très mal. Est-ce que vous pouvez vous approcher de votre micro, s'il vous plaît? Je vous entends très, très mal. Oui, s'il vous plaît. C'est l'interprète. Et vous parlez plus fort, s'il vous plaît. Je vous entends. OK. Donc, le milieu rural, dans lequel l'agriculture est la principale activité économique. Donc, les femmes constituent donc la moitié de la main-d'œuvre active. Pour améliorer les revenus des populations rurales, le gouvernement a élaboré et mis en œuvre plusieurs politiques. La dernière en référence est le Plan national de développement économique et social, le PNDS, dans lequel les autorités burkinabées se sont attaquées aux principales contraintes qui affectent le bien-être des populations rurales. Il s'agit, entre autres contraintes, de l'accès au financement agricole et, dans une certaine mesure, du manque d'équité entre hommes et femmes dans l'accès à cette ressource. Pour déceler ces contraintes, le gouvernement a donc adopté une batterie de mesures. Il s'agit de la mise en place de l'assurance agricole qui permet la prise en charge des risques agricoles considérés comme élevés dans le secteur, qui justifie la réticence des établissements financiers à octroyer
et crédit agricole. La seconde mesure est la création d'une banque agricole avec en son sein un fonds de garantie. Cette banque offre des conditions spécifiques d'accès au crédit agricole, ce qui permettra une augmentation de l'investissement dans le secteur. Une troisième mesure concerne les lois qui encadrent les modes endogènes d'accès au crédit. Il s'agit du warrantage et de la caisse de sanction qui permet aux producteurs de déposer leur production en gage dans un entrepôt auprès d'une tierce personne. La production est vendue au moment opportun quand le prix est relativement élevé sur le marché, qui permet le remboursement du prêt. Concernant les cibles, le PNDS, dans l'objectif stratégique 2.4, vise à promouvoir l'emploi décent et la protection sociale pour tous, particulièrement pour les jeunes et les femmes. Les autres mesures politiques sont générales, sans distinction des besoins spécifiques des couches vulnérables, notamment les femmes. Quant au succès des politiques, donc l'efficacité de l'évaluation du PNDS montre des avancées en termes de réduction des disparités sociales, des inégalités selon le genre, dans l'accès au crédit agricole. Cependant, ces avancées sont marginales face à l'ampleur des inégalités. Les limites des politiques, en fait, sont multiples. La principale, c'est la non-prise en compte des différents niveaux de contraintes des crédits. En fait, les politiques actuelles se focalisent sur les producteurs qui expriment le besoin d'accéder au crédit, mais qui n'en ont pas accès. Cependant, il existe deux autres groupes de producteurs et de femmes agricoles qui sont aussi contraints, mais qui sont complètement ignorés par les politiques. Le premier groupe de producteurs, c'est le groupe donc qui a effectivement accès au crédit. Ce groupe est non seulement contraint, bien qu'il ait accès au crédit, il est non seulement contraint parce qu'il n'a certainement pas eu le montant, le volume de crédit qu'il souhaiterait avoir pour financer le projet, mais aussi le crédit est souvent détourné pour d'autres activités, en particulier quand le bénéficiaire est une femme. Le second groupe concerne ceux qui se sont auto-exclus du système financier. Ce groupe de producteurs et de femmes agricoles a un besoin spécifique en termes de sensibilisation sur la question du crédit. Voilà pour l'instant ce que je peux dire par rapport à cette question. J'espère que le son s'est amélioré en ce temps. Merci. Yes, thank you, Yaya. This was very. Merci beaucoup. C'était clair. Et je pense que vous avez dit et avec raison que peut-être la conceptualisation de la politique maintenant, la loi de l'avant doit être s'informer par les leçons apprises dans le passé. Et mais merci beaucoup pour avoir couvert de façon compréhensive les idées. Alors collègues, dans cette première partie de notre webinaire, à la réponse de la première question, c'est que nous avons vu, c'est que dans les trois pays, nous avons essayé de voir quelles étaient les principales interventions qui était ciblée, quelle était la réussite, le succès qui a été marqué. Mais nous voudrons passer maintenant à la deuxième question. La deuxième question est en tenant compte du fait, avant de passer au débat, mais nous voulons parler quelles sont les recommandations par nos chercheurs du PEP, comment est-ce qu'on peut rendre ces politiques plus efficaces et comment est-ce qu'on peut modifier les politiques? Qu'est-ce qu'on peut introduire pour améliorer ces politiques? Et au sein de cette question, nous voulons demander à nos panélistes s'ils peuvent résumer la conclusion sur la façon de laquelle ils pensent qu'on pourrait améliorer ou augmenter la productivité au niveau rural en tenant compte des obstacles auxquels sont confrontées les femmes. Et pour cela, je vais donc maintenant, on sait que je vais changer la suite. Je vais commencer avec Rose, mais avant de faire cela, je voudrais vous appeler que la boîte questions et réponses est ouverte. Vous pouvez poser vos questions, vous pouvez y poser aussi vos commentaires. Les panélistes seraient heureux d'y répondre. Donc, vous posez vos questions dans la question
la boîte questions et réponses. Si vous voulez encourager l'interaction, posez vos questions. À vous, Madame Rosa. Merci beaucoup, Monsieur Waka. Avant de répondre à cette deuxième question, j'aimerais rappeler que dans ma réponse à la question précédente, j'avais souligné que les programmes publics de microfinance ont connu beaucoup d'impayés de la part des bénéficiaires. Et pour apporter une solution à ce problème, le gouvernement du Bénin a introduit une innovation d'inclusion financière qui est le microcrédit à l'AFA. Malgré les avantages de ce nouveau système d'inclusion financière, notamment celui d'atteindre un plus grand nombre de femmes et surtout de femmes rurales, il reste que ce système ne pourrait être une solution durable si les activités financées ne sont pas elles-mêmes soutenables pour pouvoir rembourser les crédits. Il est également important de rappeler ici qu'il existe très peu d'informations montrant que l'accès au financement, même formel, crée des opportunités d'emploi indépendantes et durables en milieu rural au Bénin, en particulier pour les femmes. Alors, de plus, les activités génératives de revenus dans l'économie rurale du Bénin demeurent généralement des micro-entreprises de suivi ou assez sur la nécessité. Ces activités ne sont donc pas suffisamment soutenables pour promouvoir l'économie rurale. La question est donc de savoir quel schéma de financement, bien sûr, intégré au système d'inclusion financière innovant, faut-il promouvoir et pour quelle activité productive pour les femmes rurales permettant leur autonomisation économique et l'amélioration de leur bien-être ainsi que celui de leur ménage. Alors, pour répondre maintenant à la question, M. Waka, nous suggérons que, premièrement, les décideurs évitent de concevoir des politiques générales et standardisées d'inclusion financière pour les entrepreneurs ruraux en raison de l'hétérogénéité qui existe dans ces économies rurales. Il s'agit là donc de définir des critères de ciblage dans l'effort d'extension de l'inclusion financière auprès des femmes rurales. Par exemple, considérer les critères tels que le type d'activité économique, le capital humain de la promotrice de l'entreprise et l'âge du promoteur ou de la promotrice de l'entreprise, par exemple. En second lieu, nous suggérons que les décideurs définissent un programme spécifique de financement aux femmes rurales entrepreneurs dans des conditions similaires à celles qui prévalent dans le contexte rural et de financement informel basé sur les réseaux sociaux tels que les tontines. De plus, il faut que la promotion des microcrédits soit en adéquation avec la performance des micro-entreprises portées par les femmes rurales et qui sont déjà accoutumées aux crédits informels et ayant des activités à fort potentiel de croissance. Parce que pour répondre à la demande grandissante de marché, agrandir ou diversifier son business, les petits montants de crédit octroyés par les institutions de microfinance ne suffisent pas. Enfin, il faut que des programmes d'accompagnement à l'entrepreneuriat soient élaborés à l'endroit des femmes rurales, notamment à partir de leur jeune âge, sans condition de crédit jusqu'à leur jeune âge adulte, avec des conditions de crédit relativement flexibles, et enfin jusqu'à leur âge adulte avec des conditions de crédit plus strictes et plus formelles. Je vous remercie. Thank you, Rose. And I think Merci, Rose. Je pense que le point que vous soulevez est très important quand vous dites qu'il faut augmenter, lorsque nous augmentons le nombre de bénéficiaires, nous oublions le crédit qui leur est donné et cela réduit l'impact que le programme peut avoir. Je vais maintenant demander à Dieter
de répondre à cette question. Merci, Vaka. En ce moment même, tous ceux qui connaissent le Malawi savent que l'environnement politique a beaucoup changé avec le changement du gouvernement et le programme de subvention a été étendu pour couvrir tous les petits paysans au Malawi. Et c'est une chose positive dans une certaine mesure parce que cela peut conduire à une inclusion plus importante. Néanmoins, c'est que notre recherche nous apprend qu'il ne suffit pas que de cibler les ménages les plus pauvres. Il faudrait voir ce qui se passe au sein même du ménage, puisque les femmes sont majoritaires dans le secteur agricole. Il faudrait cibler les femmes, la femme qui défraîchit la terre ou bien une femme qui est entrepreneuse. Au passé, nous avons mis l'accent sur les ménages à la tête desquels se trouvent les femmes, mais maintenant, le gouvernement utilise la technologie pour identifier les bénéficiaires. On peut adopter les mesures innovatrices pour pouvoir atteindre les femmes et non pas les hommes. Lorsque je dis cela, je dois m'expliquer parce que ce sont les femmes qui travaillent la terre. On doit donc viser la personne responsable pour l'exploitation de la terre. Et par la suite, les décisions que ces personnes peuvent prendre en ce qui concerne les produits de rente. Et cela doit s'accompagner des droits fonciers. Et il faudrait reconnaître les droits des femmes d'une façon plus fondamentale. Si ces droits ne sont pas respectés ou mis en application, donc changer le critère de bénéficiaire ne va pas changer non plus. Je pense que c'est une chose très importante dont il faut tenir compte. Ce que je proposerais, c'est que trouver d'autres moyens de cibler les femmes au sein des ménages. Si cela réussit, c'est que les femmes vont avoir leur mot à dire sur ce qui se fait. On va pouvoir les intégrer davantage sur le marché. Alors, si ces femmes vendent leurs produits sur le marché, il y aura une inclusion plus importante pour elles et cela va leur donner accès au crédit et cela, par la suite, conduit à une diversification des activités économiques. Et alors, les femmes ont différentes possibilités. Il ne s'agit pas tout simplement de l'agriculture. Merci, je vais m'arrêter là. Merci, Dita. Nous avons bien compris l'équilibre ou bien la structure de pouvoir au sein du marché et on doit savoir qui tire les bénéfices de ce qui se fait au sein du ménage. Yaya, votre réponse, s'il vous plaît. Oui, donc pour rendre ces politiques d'inclusion financière plus efficaces, nous pensons qu'il faut déjà que les femmes soient mieux représentées dans toutes les instances décisionnelles, aussi bien au moment de l'élaboration des politiques, mais aussi au moment de leur mise en œuvre. Ensuite, les autorités devraient aussi adapter le contenu des politiques d'inclusion financière au niveau de contraintes de crédit. Par exemple, les populations qui ont accès au crédit ont besoin d'un encadrement pour mieux gérer l'argent emprunté. Celles qui ont demandé du crédit, mais la demande a été rejetée, ont généralement besoin d'actes de garantie.
et les populations qui sont auto-exclues du système financier ont besoin d'informations, de sensibilisation et d'éducation financière spécifique. Les politiques doivent aussi intégrer dans leurs programmes la sensibilisation des femmes, mais aussi leurs conjoints, car ou par rapport à certaines normes sociales, afin d'amorcer un changement de comportement. Voilà pour l'instant ce qu'on peut dire de façon succincte comme réponse à cette question. Merci. Thank you, Yaya, and your point. Merci, Yaya. Je pense que la question qui concerne la formation et le pouvoir atteindre les personnes, cela pourrait permettre d'améliorer la portée du programme. Et aussi à sensibiliser les bénéficiaires sur les produits de cette inclusion financière. Je vais passer à la dernière question et après cela, nous allons écouter les questions-réponses. Le temps change et certains projets ont déjà commencé avant la crise du COVID-19 et nous vivons dans un contexte différent, contexte de la crise. Dans quelle mesure vos recommandations sont-elles pertinentes dans le contexte de la crise du COVID-19? Je pense que vous allez vouloir voir quelle réponse vous apportez à ce contexte du COVID-19. Il y a un niveau très bas d'emploi et tout cela aura des implications pour le fossé entre les genres. Je vais commencer cette fois par Yaya. Est-ce que vous voulez nous donner votre réponse à la question numéro 3? Oui, merci. Donc, les recommandations que nous avons formulées donc, sont d'actualité, disons, et peuvent être efficaces dans ce contexte de COVID. En fait, les recommandations sont les résultats donc proviennent des travaux que nous avons menés avec l'appui financier et technique du PEP. Les travaux donc ont été menés sur les contraintes de crédit pour l'idée agricole et bien-être des ménages du Burkina dans une perspective générale. Donc les recommandations, on en a formulé deux. Donc la première est la mise en œuvre d'un fonds de garantie avec un quota genre de 60% en faveur des femmes, associé à une éducation financière, contribuera significativement à l'atteinte de la plupart des objectifs de la politique sectorielle en production agro-silvopastorale du Burkina. La seconde recommandation est que les politiques de promotion de l'inclusion financière devraient adapter leur contenu aux différents niveaux de contraintes de crédit afin d'améliorer leur efficacité. En fait, plusieurs contraintes justifient le faible accès des femmes au crédit. La première, qui est la garantie, donc, est plus contraignante, est une contrainte plus accentuée chez les femmes. Donc, la garantie est plus accentuée. C'est vrai qu'il y a le problème de garantie chez tous les producteurs, mais chez les femmes, c'est encore plus accentué. Les institutions financières accordent généralement du crédit à ceux qui ont un revenu élevé ou qui offrent une sécurité formelle. Les garanties plus utilisées sont l'hypothèque, de biens immeubles, terrain bâti ou non, le gage de nantissement des biens immobiliers ou de marché, l'assurance agricole, les fonds de garantie, etc. Les femmes ne disposent pas généralement de ces garanties. À titre illustratif, en 2014, seulement 10% des femmes agricoles étaient propriétaires de leurs parcelles. La seconde contrainte donc, à laquelle les femmes sont confrontées, c'est l'autorisation du conjoint, de leur conjoint, pour demander du crédit. Compte tenu des pesanteurs sociales, la permission du conjoint est souvent jugée importante, nécessaire par les femmes pour demander du crédit. Et là, il faut la sensibilisation, aussi bien des femmes que de leur mari, pour changer cette situation. La dernière contrainte, c'est le manque d'informations sur le secteur financier.
Les femmes, notamment celles qui résident en milieu rural, n'ont pas souvent les informations requises ou méconnaissent les procédures qui leur permettent d'accéder au crédit. Donc, voilà en gros les recommandations et comment nous pouvons donner. Merci. Yes, very sound point, Yaya. Merci, Yaya. Ce sont des points très importants. La question de l'information conduit à une cause de l'inégalité dans tout ce processus. Le coût de l'information est également un impact sur l'inclusion financière. Je vais maintenant passer à Rose pour son intervention. Thank you, Monsieur Vaka. Par rapport à cette question, en ce qui nous concerne, nous autres, bien que nos résultats de recherche n'ont pas établi un lien direct entre l'actuelle crise sanitaire et la performance des micro-entreprises, je peux toutefois dire que cette crise sanitaire a induit beaucoup d'entreprises en difficulté dans l'exercice de leurs activités économiques. Alors, par exemple, et en référence à la littérature grise, beaucoup d'entreprises ont enregistré une baisse d'effectifs d'employés, ce qui a conduit aussi à une baisse de production et par conséquent à une baisse de chiffre d'affaires et donc de profit. Les entreprises ayant contracté de crédit ne seraient pas dans ces conditions en mesure de les rembourser. L'exemple du Bénin et du Mali est édifiant parce qu'on note dans ces deux pays que les pertes en chiffre d'affaires pour les PME, PMI sont très importantes en raison du choc sanitaire, la COVID-19. De manière plus désagrégée, les entreprises gérées par les femmes ont enregistré plus de baisses de chiffre d'affaires que celles gérées par les hommes. Et de plus, les entreprises dirigées par les jeunes et celles dont les activités sont relativement récentes ont connu aussi plus de baisses de chiffre d'affaires. Si on suppose que ces différentes catégories d'entrepreneurs ont contracté de crédit, par exemple, vous êtes d'accord avec moi, qu'ils seront dans l'impossibilité de rembourser ces crédits dans les délais convenus en raison des impacts négatifs du choc sanitaire. À partir de cet exemple, je peux essayer d'établir un lien entre cette crise sanitaire avec nos résultats, bien sûr, en faisant appel à notre première recommandation à l'endroit des gouvernants et les institutions de microfinance, qui concerne par exemple la flexibilité dans les conditions d'accès et de remboursement de crédit par les entrepreneurs. Cela veut dire que les IMF devraient élaborer des critères plus ou moins flexibles permettant la fois à elles-mêmes et aux agents économiques de pouvoir faire face à divers chocs, garantissant donc une performance soutenue de leurs activités, surtout si le choc produit un impact négatif. Je terminerai en disant que sans l'eau, les agents, les grains semés ne germeront pas. Donc, sans financement et tout le monde, il n'y a pas de création et d'expansion d'entreprises indispensables à la création de la richesse. Voilà ce que je peux dire sur cette question. Je vous remercie. Yes, thank you very much. And I think COVID-19, of course. Merci beaucoup. Je pense que le COVID-19 nous amène à considérer les différentes interventions, voir comment les concevoir et comment ce qu'on peut faire pour les bénéficiaires ou ceux qui participent au programme DITA. Est-ce que vous voulez répondre à cette question? Merci.
La crise du COVID-19 n'est pas la seule crise. Et il y a également le changement climatique qui pose un problème et cela a aussi un impact sur les exploitants agricoles et cela nous permet de réexaminer le programme de subvention. Alors, nous, ce changement climatique nous a amené à avoir la subvention aux exploitants agricoles. Il faudrait également qu'il y ait amélioration ciblage de ce qui se fait. Je crois que le problème se pose avec beaucoup plus d'acuité dans cette situation de crise. Les femmes devraient avoir les outils pour faire face à cette situation et je pense que si on cible ces subventions, cela pourrait avoir l'impact désiré ou bien escompté. Et l'effet à long terme serait la diversification des activités et des affaires. Cela pourrait être un appui pour les ménages. Si on veut un changement à long terme, un problème à long terme, je pense que le COVID-19 n'a fait que révéler la gravité du problème traiter du problème des inégalités est une chose très difficile. Mais alors, je pense que le contexte politique nous a permis d'améliorer les activités des exploitants agricoles, mais le ciblage serait la meilleure chose à faire à long terme. Je vous remercie. Merci, Dita. Je vais remercier tous les panélistes pour avoir répondu à ces questions et d'avoir donné les points saillants des résultats de leur recherche. Nous accusons un retard de 3 minutes. Il y a un certain nombre de questions qui ont été posées. Je vais les lire et je vais demander à nos panélistes d'y répondre. Je vois que Olive Abiba a posé 2 questions. Peut-être qu'elle pourrait présenter ses questions oralement, qu'elle allume son micro pour que nous puissions l'entendre parler oralement. Oui. Bonjour. Merci beaucoup pour ces débats. Ma question concerne tous les intervenants. Et cela concerne la façon dont les productrices ou bien les entrepreneuses, comment est-ce qu'on peut les cibler? Et je crois que cela abonde dans le même sens que de ce que Dieter dit, les femmes font partie intégrante du ménage. Il faudrait que ce soit le ménage qui décide de si oui ou non ils vont prendre un crédit, mais il ne semble que la façon dont on pourrait cibler les femmes, je crois que le crédit que les femmes obtiennent va bénéficier au ménage et ça pourrait être géré par les hommes. Et je pense que le rendement serait plus élevé. Je pense qu'il s'agit d'une décision du ménage. Et je crois que ça
pourrait être une bonne politique et une politique bien ciblée. Merci, Habiba. Et Dita, est-ce que vous voulez intervenir? Merci. Je pense que c'est une excellente question qu'elle a là et cela concerne les questions structurales qu'il faut pour lesquelles il faut trouver des réponses. Il faudrait que la femme, c'est elle qui exploite la terre, c'est elle qui devrait obtenir le crédit. Dans notre recherche, nous avons trouvé également que dans des communautés matriarcales, les couples vivent près de la, du côté maternel de la famille. Et les pouvoirs perdent ce pouvoir avec la subvention. Donc, cela nous a beaucoup surpris. Donc, bien ciblé, l'intervention, c'est une part seulement de ce que l'on doit faire. On doit compléter cela par d'autres interventions. Il faudrait considérer d'autres droits comme par exemple les droits fonciers qui constituent un désavantage pour les femmes. Il y a également la question de l'appropriation. Si les femmes sont propriétaires, ça va améliorer la situation. Mais la question qui se pose, c'est la mise en œuvre. Il faut travailler avec les communautés pour changer les attitudes. Il s'agit des questions très profondes et il faudra les aborder de cette manière pour réussir. Je voudrais maintenant passer à Rose et là je vois deux questions qui visent l'intervention de Rose. C'est Mohamed Ashfaq qui voudrait savoir s'il y avait des exemples pratiques si on a pu résoudre les problèmes auxquels sont confrontées les femmes bénéficiaires de crédit. Il y avait également une question de Ferine. Est-ce qu'il y a corrélation entre le niveau d'alphabétisation et l'exclusion financière? Et si votre réponse est oui à cette question, que fait le gouvernement pour alphabétiser les femmes, la femme rurale? Rose, si vous voulez bien répondre à ces deux questions. OK. Merci beaucoup pour ces deux questions qui sont très pertinentes. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans mes interventions, j'avais dit qu'il y a problème de crédit impayé. D'accord? Alors, qu'est-ce qui est à la base de cela? Justement, comme vous l'avez su bien souligner, souvent en milieu rural, ce sont les ménages qui sont les preneurs de décisions. Donc, les femmes étant membres du ménage et de façon générale n'étant pas chef du ménage, il est indispensable que les politiques qui sont orientées vers l'inclusion financière pour les femmes rurales intègrent le chef du ménage. Et à ce niveau, on pourrait introduire dans le paquet d'innovation la sensibilisation du chef de ménage pour pouvoir être informé de la décision de l'existence de microcrédits, ça fait un. Et deuxièmement, les femmes qui doivent être ciblées pour pouvoir recevoir les microcrédits ou bien les crédits en général, il faut qu'elles soient porteurs d'une activité générative de revenus avec un fort potentiel de croissance. Si au moins ces deux conditions sont respectées, je pense qu'on éprouvera l'effet important de microcrédit sur le bien-être des femmes. C'est ce que le gouvernement essaye de faire, c'est pourquoi, avec les différents échecs qui ont connu les différents programmes de microcrédit, il essaye donc d'introduire une technologie composée de microcrédit mobile, de la sensibilisation à la gestion des microcrédits. Voilà ce que je peux dire par rapport à votre question. Merci.
Thanks. Thank you, Rose. Let me turn to Yaya, and I see that we have a question from Mavusi. Je m'excuse, je vais passer à Yaya. La question, au-delà de la capacité de renforcement de capacité des femmes rurales dans le domaine de l'entreprise, est-ce que des mesures ont été prises pour améliorer l'alphabétisation financière? Et sinon, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cela? Oui, Yaya? I think you may be on mute if you're trying to speak. Oui, voilà, les politiques actuelles n'intègrent pas suffisamment de sensibilisation de l'éducation financière. Et c'est pour ça que nous avons recommandé pour qu'on intègre dans les politiques la sensibilisation et l'éducation financière. C'est vrai qu'il y a des programmes d'alphabétisation d'une façon générale, mais aussi d'éducation financière, mais ce n'est pas de façon très localisé. Voilà. Et ce n'est pas au niveau national. Thank you. Voilà, merci. I also see... Merci. Je vois qu'il y a une autre question de la part de Jodel. Je vais demander à ce que je crois que vous pouvez vous-même poser cette question parce que ce n'est pas indiqué à qui s'adresse la question, mais je crois que cela concerne l'utilisation des titres fonciers dans les zones rurales. Est-ce que vous pensez que le programme de la sécurité foncière pourrait améliorer la situation des petits exploitants agricoles? Est-ce que vous pensez que cette sécurité pourrait conduire à l'inclusion financière? Je dirige la question à qui voudra prendre la parole. Je pense que c'est une question très importante qui concerne les droits fonciers. Ce que nous voyons souvent, c'est que lorsqu'on pense, on tient compte des droits fonciers, notamment en ce qui concerne les femmes, lorsqu'il y a non-respect des droits fonciers, on voit les résultats négatifs. La question qui consiste à savoir si les droits fonciers vont améliorer l'accès au crédit, l'accès au marché, où la sécurité conjointe peut aider. C'est une la réponse varie d'un contexte à un autre. Et la sécurité conjointe pourrait aider, notamment pour la croissance de l'économie locale. Mais ce n'est pas une chose universelle. Il va falloir tenir compte des conditions du contexte particulier. Mais je pense que cela dépend de respect de ces droits fonciers. Est-ce qu'on voit ces droits fonciers comme valables pour les autres mesures financières? Et nous voyons que cela marche dans certaines institutions. Ça dépend de l'institution. C'est important. Yaya, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ce qui vient d'être dit? Oui, je pense que la sécurisation foncière est très importante pour faciliter pour accélérer l'inclusion financière, parce que l'accès au crédit, généralement, c'est pour l'investissement, pour acheter du matériel. This is important for investment. Pour augmenter la productivité de la terre.
to increase the productivity of the land. And if land is not available, this can be, you can invest in land. And c'est une garantie qu'on peut faire un investissement. We can have. Généralement, ce qu'on constate au Burkina, c'est que c'est les hommes qui attribuent la terre aux femmes en début d'hivernage. Et dans certaines régions du pays, chaque année, l'homme peut garder, enfin, qu'on appelle ça, de continuer à travailler sur la terre ou peut la retirer pour lui-même travailler dessus. Et d'une année à une autre, la femme se voit obligée de changer de terre pour pratiquer son agriculture. Il y a une certaine instabilité. Et cela ne lui permet pas d'investir pour une longue période sur la terre. Et là, c'est vraiment un handicap concernant l'accès au crédit, surtout pour l'investissement agricole. Merci. Yes, thank you, Yaya. Appreciate the responses here. And Rose, in case there is no other, would you like to respond? Merci, Yaya. J'apprécie la réponse. Rose, est-ce que vous voulez redire quelque chose, peut-être? Rose. Oui, peut-être rapidement. La question de titre foncier, c'est une problématique de façon générale en Afrique et au Bénin en particulier, et plus encore dans les économies rurales. Vous savez, aujourd'hui, la première garantie pour avoir accès au crédit, c'est la terre. Il faut avoir des parcelles pour pouvoir rassurer donc le prêteur en termes de confiance et de garantie que vous êtes capable de rembourser le crédit. Mais lorsqu'on prend en compte le problème d'urbanisation qui est en train donc de réduire petit à petit la disponibilité de la terre, moi, je suggère que les gouvernants et les institutions de finance doivent repenser les questions de garantie pour accéder au crédit. Présentement, au Bénin, le gouvernement actuel avait mis dans son programme d'action pour le Bénin que les questions, par exemple, de garantie pour les jeunes entrepreneurs et les femmes qui sont victimes d'exclusion financière peuvent être traités autrement. Donc, le gouvernement est en train de réfléchir comment mettre en place une politique de garantie soutenant cette catégorie de femmes. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport aux questions foncières. Je vous remercie. Thank you, Rose. Appreciate the response. Merci beaucoup, Rose. J'apprécie votre réponse. Je pense que nous avons dépassé le temps, mais je vois qu'il y a un certain nombre de questions qui arrivent. Et au cas où nos panélistes ont le temps, vous pouvez rester pour répondre à un certain nombre de ces questions. Mais nous voulons quand même respecter l'heure qui nous était impartie. Et donc, nous voulons donc clôturer ce webinaire. Et je voudrais donc dire que c'était vraiment une séance excellente. J'ai beaucoup appris et je me dis que un certain nombre de choses que je voudrais souligner, des choses qui me semblent très importantes en tenant compte de l'ère de la pandémie dans laquelle nous vivons. La première chose, c'est bien sûr d'avoir, de tenir compte de la COVID-19, mais ce n'est pas la seule crise à laquelle les femmes rurales sont confrontées actuellement. Il se pourrait qu'il y ait d'autres crises auxquelles ces femmes-là sont confrontées. Et donc, il faudrait un financement soutenu doit rester sous considération parce que les femmes devraient avoir un financement soutenu si elles vont pouvoir confronter les différentes crises auxquelles elles seront confrontées. La deuxième chose, c'est bien sûr les mécanismes de ciblage doivent être améliorés. Ces mécanismes, ce n'est pas à travers les régions, mais aussi les bénéficiaires à l'intérieur des foyers et même entre les foyers et à l'intérieur des foyers. Et puis, d'autres coûts, il y a bien sûr les coûts opérationnels, les coûts administratifs qui sont
qui sont tenus en compte quand on gère les prêts. Mais les coûts donc qui sont liés à la formation, à la vulgarisation, ces coûts-là doivent être tenus en compte dans les programmes de façon à ce que ces programmes-là puissent être généralisés pour couvrir le plus grand nombre des bénéficiaires. Nous avons appris que l'apprentissage au fur et à mesure, et c'est très important d'apprendre des expériences que nous avons, et apprendre sur les lacunes, apprendre sur les nouvelles opportunités qui pourraient émerger au fur et à mesure qu'on va mettre en action le programme. Et ces leçons-là doivent être réintroduites dans le programme. Et cela est très important en compte des temps dans lesquels nous vivons, quand nous n'avons pas suffisamment de ressources. Et il faudrait, bien sûr, avoir beaucoup plus d'efficacité qui serait tenue en compte quand on parle des investissements publics ou même des investissements par les financiers. Donc, il y a d'autres considérations importantes, mais je ne vais pas entrer en détail. Je voulais tout simplement faire un résumé. J'encouragerai les participants à bien vouloir lire les résultats, les conclusions des projets de recherche de ces équipes de recherche qui se sont investies et qui ont investi énormément de temps, énormément d'énergie pour arriver aux conclusions qu'elles ont pu présenter cet après-midi. Voilà, et avec cela, je voudrais remercier mes collègues Dita, Yaya et Rose. Je voudrais remercier l'équipe du PEP qui nous a accueillis, qui a organisé cette séance pour nous cet après-midi. Et plus important, les participants qui ont pris le temps et qui ont fait que ce débat était interactif. Merci beaucoup à tout le monde.